Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur War Tales avec Gaelden et Damned. Comment ça va? Je suis en Bonjour. pleine forme, la grosse, grosse patate. La grosse patate. À fond, à 200%. Et on La accueille pêche! Ardarine, le futur poney de guerre dans notre groupe, quand même, à noter. Je suis impatient de voir ça. De voir ses compétences. Putain, merde, je voulais pas cliquer sur l'écurie. Je vais cliquer derrière pour le contourner. C'est parti. Alors, on va s'enfoncer dans la forêt. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui voulait faire un détour pour aller chercher le petit fer, là, on peut, hein. Alors non, c'est pas voulu, c'est qu'il voulait pas. On passer autrement en fait. Non, non. On est bien ralenti dans la forêt aussi. Ah De toute oui. façon, il nous faut des bestiaux, hein, je vous rappelle. Hein. Il faut Ouais, il faut qu'on puisse chasser. qu'on. Alors, ça, c'est pas des bestiaux, ça. Donc, si on Là, pouvait les non, c'est pas éviter, des bestiaux. ça serait pas mal. Non, on n'a plus de pêcheurs. Ouais. Non, on n'a plus de pêcheurs, malheureusement. Ah, non, je suis pas là. Qu'est-ce qu'il y Je a, ton suis pas chopé? là. Non, non, oui, c'est bon. Il y a des plantes là, mais bon. C'est de la consoude. Ouais, c'est Une de la ski chaud, consoude. ouais, on a largement assez. Zut! Comme dirait l'autre, bah la bergerie du père Wilbur, tiens, allons faire un tour à la bergerie. Il y a un Bah attends, truc à il y a des... inspecter Ouais, là, y mais. a un truc inspecté en haut, ouais. On sait jamais qu'il y a de la bouffe. Du gibier, 5 Ah bah. gibiers. Ah bah écoute, fantastique. Pas encore le cuisiner, mais 5 gibiers quand même. Le stock dans les petits bouts de roche, c'est chiant. Ouais, ça aurait été cool que ça soit amélioré. Ah, on a une quête ici. Ah, Qu'est-ce qu'elle nous c'est celle dit? qui. Mes parents étaient éleveurs. Quand je les ai conduits dans cette bergerie, ils ont mis la fatigue de la route et ont repris espoir. Fantastique. Malheureusement, nous avons appris que cette bâtisse appartenait à un dénommé Wilbur. J'aimerais rencontrer cet homme et le convaincre de nous laisser ici. De nous laisser rester, pardon. Pour cela, j'ai besoin de mercenaires. Les gens n'apprécient pas les réfugiés. Bon, on peut dire que oui. On peut dire que oui. Disons que oui. Retrouvons-nous là-bas. Alors, on peut inspecter leur coffre. Avec une belle clé ouvragée. Ouais. Et si tu Est-ce que voles, je du coup, ça. suis à voler? Ouais, si t'es capable de voler. Alors, vous pouvez voler des objets avec clic droit. Chaque vol augmente le soupçon de la garde à votre encontre. D'accord, ok. Ok. On réussit le vol automatiquement, c'est juste qu'on gagne du soupçon, du coup, quoi. Voler, en plus la clé ça prend rien. Ça fait plus zéro de soupçon. Voilà. C'est cadeau. C'est Ouais, cadeau. Donc sûrement j'ai parce que ça volé. doit nous permettre d'ouvrir un autre coffre quelque part qui là va. Si on prend les trucs dedans. De la bouffe. Et là, ça me fait quoi? Ouais, plus 30. Ah, faut pas. Laissez-moi faire, s'il vous plaît. Tac. Ah merde! On t'a laissé faire, Ouais, voilà. bah on te laisse faire, hein. Oh là 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 là, le On a pour misclick. du raisin. Le misclick. Putain, je suis désolé. Bah Bon écoute, c'est pas bah grave, voilà. tu blanchiras les objets volés au prochain Ouais. campement. Et puis Blanchira le raisin. tu blanchiras le raisin. On le cuisinera, hein, une fois qu'il sera bouffé, il y aura plus de Mais preuves. quel C'est boulet. ça, ah oui, bah non, c'est pas nous. Alors du coup, la fille elle est là, bah du coup elle y va direct, donc je pense qu'il faut qu'on la suive. Hein. Oui, bah elle va vite aussi. Hein. Ouais, elle trace sa route, ouais. Ça me plaît pas, Non, c'est... non, 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 non. Ah putain. Ouais, la brume, elle me plaisait pas trop, là. Ça, c'est carrément mauvais, ça. Je sens qu'on va de nouveau devoir fuir. Ah ouais, à ce point-là? J'ai souvenir, alors moins qu'ils aient diminué la puissance. Ils ont l'air... Ouais, ça va, 14 de vie. Ouais, 14 non, de ça va. vie, Ils sont défense. 10. Le truc, c'est qu'ils sont 10. Et ils arrivent en deux vagues, non? À chaque fois qu'elle Ouais, ils sont. attaque, elle applique 1 de terreur. Si Ah elle oui, c'est meurt, elle ça. réduit de 3 la terreur de l'unité de terreur. Au bout de 5 applications, l'unité terrorisée fuit le combat. C'est ça qui est pas bon Ok, quoi. alors du coup, il va falloir qu'on gère ça. Il va falloir se regrouper et puis les gérer vraiment. Il faut Les pas les gérer laisser. vite, quoi. Alors. Sachant Ouais, qu'on ils a se sont 6 gars maintenant. regroupés. On a 6 gars maintenant. On est 6 quand même, 3. hein. Mais le premier qui joue, il est où? Je le vois même pas. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y a 5 emplacements. Ah non, 6. Non, c'est bon, on a 6 emplacements. Là, c'est à côté de Malice, Je suis d'accord avec toi que le le premier qui joue, finish il est objective. pas en vue. Hein. Ouais, on le voit pas le premier qui joue. Parce que Bah. si tu double-cliques sur un icône en bas, ça te centre la vue.
Ouais, et le premier, on le voit pas. Donc, je serais bien dans l'idée d'envoyer peut-être Chobiti et Malvinette gérer les deux qui sont là. Tu veux pas qu'on mette tout le monde au centre? Mais tu peux pas. Mais si, on a 6 emplacements. Ouais, mais du coup, ils vont nous arriver dans le dos et tout. Tu voudrais gérer qui en premier? Oui, qu'il faille. Non, mais je suis d'accord. Sauf que il y aura peut-être du monde qui arrivera ensuite. Non, mais c'est juste histoire que tous nos gars soient au même endroit. Bah là, ils sont tous au même endroit, là. Non, là, il en manque un. Il manque. Il manque. Bah, il manque Malvinette qui est à toi, donc du coup. Attends. Tu te bouges les fesses. Voilà, puis c'est tout. Mais elle est où, Malvinette? Ah, elle est là. Elle est tout là-bas. Appuyez sur son épée, pépère. Telle Jeanne d'Arc attendant les Anglois. Alors. C'est ça en plus. Ouais, mais on peut, la coupe, hein. On peut mettre ouais, le signe. Bah, je mettrais bien Chobiti parce qu'il n'y en a que deux, donc on va garder le signe pour tanker le gros tas. Mais okay. Chobiti en bas, tant que. Alors il n'y en a que deux, sauf qu'il y en aura peut-être plus qui sont cachés dans la brume. Oui, bah ils arriveront quand ils arriveront à la limite. Mais, ouais. Ouais, pour l'instant. Brouillard fantôme, une zone de brouillard qui masque la visibilité et applique un terrain à toutes les unités qui traversent ou terminent leur tour dedans. Ok. Sympatoche. Parfait. Ok. Et du coup, peut-être plutôt contexte. Malvinette pour faire du dégât au premier sanglier. Bah. Ouais. Je sais pas qui fera le plus de dégâts. Ok. Je fais 7 de dégâts de base. Et là, je fais 8 de dégâts de base avec. Ouais, puis c'est vrai qu'il y aura peut-être moins d'agérer les zones si jamais. Et sachant que j'ai des attaques en plus. Donc. Ouais. Peut-être plutôt comme ça du coup. Et au niveau des mouvements, je pense qu'il y a moyen de s'occuper de ce loup fantôme assez facilement. Et si avec le signe je me mets vraiment là, on peut neutraliser les loups fantômes qui sont derrière parce qu'ils peuvent pas nous atteindre. J'ai le mur de lance aussi. Hein. Je peux genre me caler par là et mettre un mur de lance entre les rochers ici. S'il passe, bah attaque d'opportunité. Bon. Ça vaut ce que ça vaut, hein, mais... Ouais, bah ça ouais. Peut le faire. Hein. Moi, je vais tanker le sanglier qui est là. Alors, attends, dans ce cas-là, limite, on inverse. On inverse Damned et Malvinette. Comme ça... Tu veux bloquer ces rochers-là ou ces rochers-là? Oui, ça dépend où tu... Bah non, c'était, je pense, pour dans l'optique de choper la rangée... En fait, c'est soit je me mettais par là, ouais. Et j'en mettais une tout le long comme ça, là. Soit ouais, je me mets là et j'en mets une tout droit, en fait, hein. Ouais, bah c'est bien ça. Ouais, bah très bien. Bon, le range est pas énorme, faudra que j'avance, mais ça va, ça se fait. Bon, bah je vais commencer avec Chobiti, essayer de tanker en bas. Vas-y, go. Alors, je vais essayer de me mettre. Attends, t'as toi quel marteau? Faut pas que je me mette dans la brume. Ici, ça devrait le faire. Donc, je peux faire. Faudra que je joue plus tard en 3ème, hein, par contre. Okay. Parce qu'après, lui, il jouera là. En 5-6, 5ème. Ah, putain, et du coup, la déviation, en fait, c'est une action de base. Hein, ce qui veut dire que du coup, si je la fais, je gagne pas, j'attaque pas. D'accord, ok. Donc, je réduis les dégâts de la prochaine attaque et j'attaque pas. Pourquoi pas. Okay. Bon. Effectivement, ça met un peu en perspective la compétence, du coup. Bah, vas-y, Damned. Hein. Ouais, vas-y, va le caler, Damned. Ouais. Puis en plus, faut qu'on consomme nos points de façon. Donc. Alors, sachant. Activer la prévisualisation. Attends, non, parce que. Il faut que ce soit. Non, il faut que ce soit le signe qui joue, parce que là, on a deux. Un sanglier, un fantôme, ou alors sinon. Ah oui, il faut... les deux vont jouer, ouais. Non, mais vas-y, moi je peux jouer en troisième, hein, en vrai, j'ai le temps. Hein. Ouais, parce que là, du coup, effectivement, ces deux-là vont jouer. Alors celui-là, normalement. Ah ouais, si j'avance, il va forcément me choper. Si je tente le sanglier fantôme, il va me choper, mais bon, bah, il va me choper, hein. Ouais. C'est comme ouais, mets-toi là. Je le mets là. Je mets une entaille dans sa mouille. Et je peux toujours mettre déviation pour réduire les dégâts, mais ils font rien comme dégâts. Donc c'est la terreur. Ouais, le problème, ça va être la terreur. Ouais. Ça va être la gestion de la terreur, en fait. Mm-hmm. Bon, après, vu comme ils souffrent, on devrait pouvoir les enlever assez vite les stacks. Mais faut peut-être pas les tuer vite, en fait. Faut attendre d'avoir quelques terreurs, parce que s'ils meurent... Oui, enfin, tu... c'est au troisième que tu fuis. Hein. C'est 5 applications, on fuit. Attends. Quand elle meurt, on enlève 3 de terreur. Celui qui l'a tué perd 3 de terreur, et c'est au bout de 5 stacks qu'on s'enfuit. Donc, ouais. Ça gérable, quoi. Et bah, termine ton tour. Ouais, je regardais, je peux gagner déviation, ça sert à rien. Affaiblissement, ça sert à rien. Bon, après, ils font pas beaucoup de dégâts.
Tous les alliés engagés gagnent riposte, c'est pas utile non plus dans le contexte pour l'instant. Enfin, quoi que ça aurait pu m'être utile là éventuellement, mais je m'en remettrai. Alors là du coup c'est okay. À toi de jouer Damned. Ouais. Attendez, hop, parce que je peux faire les deux, on est d'accord, oui je peux faire. Je peux l'attaquer plus. On va faire ça. Hop. Oui tu te mets à portée d'attaque et après tu fais ton mur, pas con. Bah c'est l'idée ouais. Après il est dedans donc je suppose que ce sera automatique hein, dès qu'il se déplacera. Je sais plus si c'est quand ils rentrent ou s'ils sont déjà dedans, ça marche pas, on verra. Mm. Et eh ben on verra. Tu peux pas te reculer un peu avant? Non, je peux plus me reculer. Tard, là. Ouais. Mais écoute, on va le savoir, on va le savoir. Ah, cool. Le alors, ah bah, c'est voilà, il a joué et il s'est pris la tatane. Très bien. Ok, ça me fait une attaque gratos, c'est pas bon à savoir ça. Moi, je vais essayer d'aller tataner les deux là. Ouais, avec je pense ma qu'ils sont, mal... ils sont fort bien placés. Alors, ouais. Non, je vais attendre. Attends, sauf que t'as terminé ton. Tu l'as plus ton mur de lance. Et non, par contre, ça me l'a enlevé. Bah, ouais, ils vont venir au contact de Damned, sans doute, ouais. Bah, tant pis. Ouais, donc, du coup, c'est pas grave, qu'est-ce que je fais? Ah, c'était le seul risque. Je pense que. De toute façon, il jouait avant le loup, donc il aurait foncé, il me l'aurait enlevé quand même. Est-ce que je peux. Oui, je peux me mettre là. Ouais, tu défonces les deux du bas. Si on peut se libérer, on va ramener du renfort rapidement de l'autre côté. Hop, en plus, comme ça, du coup, je ferai un point de. Ah merde. Ouais, tu me tapes, j'imagine, là. Non, c'est que je tapais pas les deux. Ah, ok. Bim. Hop là, un petit point, c'est qu'il. Et là, je peux faire tac. Bim. Ça, c'est fait. Ah, la brute, c'est vrai qu'elle est quand même efficace. Hein. La fureur de samedi soir. Je me recule. Et je termine mon tour. Ah, tu as déjà tué 3 sur 10, hein, c'est pas mal. Eh ben non. Ah oui. Oh, lui, je pense qu'il va venir. Bah, lui, ouais, oui. Vient, ouais. Lui, il va venir. Ouais, oh. Ça va. Bon, je fais Malvinette et puis tu termineras avec. Ouais. Est-ce que tu peux aller soutenir Damned? Parce que si tu fais ça, tu vas te faire engager là, ici. Je peux en faire deux d'un coup. Ah, elle fait une attaque de zone ton épée? Ah, j'avais pas vu, pardon. Ok, donc oui, effectivement, bah oui. C'est pour ça. C'est beaucoup plus rentable. Donc, tant qu'à nettoyer, autant faire briller. Hop. Si t'avances encore une case, il pourra pas t'engager le sanglier fantôme. Je peux surtout faire un coup ouais. Pour en terminer en fait. Ah bah attends, je peux faire un courroux. Ah si c'est bon, lui je termine. Bim. Et est-ce que je termine avec une frappe des. Je peux en faire un autre. Pour un point de. Non, on n'est pas dans le mal là. Hein. Ça va. Non, c'est bon. Je pense que. Du coup, il va pouvoir me remettre une stack. T'as quoi? T'es à combien de stacks là? 3, je crois. Ouais. Ouais. Il faudrait que je puisse buter le sanglier qui est devant. Mais je sais pas si je ferai assez de dégâts. Oh bah, je pourrais peut-être tuer celui qui est derrière. Ah non, parce que t'es. Si, je me désengage, je change de sens et. Non, ou je le tue avec ma vinette, sinon. Ouais, éventuellement. Il peut pas me toucher normalement, lui. Ouais. Ok. Bon, ça va le faire. Ah, ouais. Des renforts arrivent, c'est bien ah, ça. Ils sont à 26, ils sont un peu plus énervés. Mais ils sont arrivés sur ce côté-là, donc il va falloir qu'on court avec Chobiti et compagnie. Alors ah, par oui, contre, okay. C'est le sanglier qui est devant moi, qui va m'attaquer, qui va me mettre une quatrième stack. Je joue Malvinette en premier. Ouais, tu joues Malvinette. Alors est-ce que je peux le tuer 5-6 de dégâts? Non, c'est mort. J'ai pas d'attaque bonus, j'ai que des trucs qui réduisent les dégâts. Tac. Si je me mets là, je dois pouvoir taper les deux d'un coup. Sans te taper toi, je tue les deux. Propre. Hop. Je te laisse tuer l'autre. Ouais. Est-ce que je me mets en défense? Ah, ils ont beaucoup de mouvements les autres, hein, donc même si tu recules, ils te chopperont de toute façon. Bah, je vais me mettre à côté de toi. Ouh, ils font pas les mêmes dégâts les nouveaux là. 9, 11 de dégâts.
Bon, heureusement, il a coincé tous ses potes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah ouais. Du coup, je vais tuer celui qui est derrière moi. Hein. Ouais, vas-y, enjoy. Et. Avec malice, peut-être ce cas là nous. Bah, je me demande si je vais pas aggro celui que le petit à 12 qui reste là. Comme ça, il bouge pas et ses potes peuvent pas passer. Et là, je pourrais éventuellement claquer des points pour que tous les gens engagés gagnent riposte, mais. Bref, c'est pas forcément hyper utile, je pense. Moi, je l'avais testé un tout petit peu sur ma partie solo, j'avais pas trouvé que c'était ouf. Bah, le problème, c'est qu'on est obligé de laisser l'ennemi attaquer, quoi, du coup. Ah mince, il pouvait passer lui. Bon, il s'est faufilé. Il y a un sanglier qui se faufile, c'est pas facile. Ouais. Ouais, il faudra qu'on court avec les deux autres. Mais bah on va laisser damner des malices peut-être. Ouais. De toute façon, il reste. Si malice arrive à en tuer un, on gagne un point. C'est ça, mais je pense que je vais peut-être d'abord jouer avec mon perso et elle achèvera un des loups éventuellement. Je pense qu'il y a moyen de placer une flèche. Attends, je vais regarder. Est-ce qu'elle peut. Ouais, non, elle est pas bien placée pour mettre une flèche sur mon perso, à côté de mon perso sur le loup. Et avec le rocher, j'ai peur qu'il n'y ait pas d'angle. Vous, ils ont 26 de vie d'un côté, 12 de l'autre. Ouais, avec Malice, ça va pas être simple de placer une flèche. Mais, au pire, tu tires sur ceux qui sont derrière, hein, ça sera toujours utile. Hein. Oui, oui, oui. Faudra... Je vais déjà mettre un coup là. On va aller tuer un jour ou l'autre de toute façon. Ce sera fait. Et puis, bah, c'est tout, hein, de toute façon. Je peux rien faire d'autre avec Damned. Après, en vrai, ça se tente, une flèche, il y a combien de chances? 77%. Bah après, si tu te mets juste derrière toi... Non. Pff, ouais. Ouais, si tu te mets juste derrière, un ouais, perso, mais y avait en fait... Le rocher. Non, si... en fait, si mais tu te mets rocher, juste derrière un perso, si tu t'étais mis juste derrière toi, t'as pas de malus de vue, normalement. Ah oui, mais il faut le savoir. Ouais, mais, enfin, sauf si ça a changé, mais normalement, c'est comme la lance, c'est... Ah, puis en plus, on a gagné 2 points parce que t'as eu Glorieux, ça c'est bon, ça. Ouais. Ouais, 2 points, ouais. C'est quoi, Glorieux? Tu sais, c'est une chance, c'est un trait quand tu passes ton tour. Tu fais que t'as une chance de gagner un point quand tu passes ton tour. Ouais. Ouais. Bon, bah, faut courir, hein. C'est qui le dernier à jouer, là? Bah, c'est nous deux, là, nos deux persos, là. Non, y a encore un loup, on sait pas où il est. C'est vrai. Ah oui. Là, c'est Gaelden qui court d'abord, pas de soucis. Ah, pardon. Non, bon, ça change pas grand-chose. Ah bah, tiens. Coucou. Bon, c'est un petit, ça va, je devrais pouvoir me démerder avec lui. Je le vois pas du tout. Non, moi non plus. Il est apparu au contact de Chobiti dans le brouillard. Vraiment, il est collé, il est apparu dans le brouillard collé à Chobiti, il m'a engagé direct, d'accord. Il n'a même pas eu besoin de bouger. Bah moi on le voit pas. Bah écoute, c'est un petit à 12, donc je l'ai mis mi-life, je lui mettrai un autre coup tout à l'heure et puis... Ouais. Sauf qu'il est-ce qu'il y aura encore des renforts ou pas? Je sais pas. Il en reste 6 officiellement, ça fait 1, 2, ouais, 3, 4, 5... Ouais, mais tout à l'heure 5. Il en restait 6 et quand ils sont apparus, on est monté à 10. Donc je sais pas si les renforts arrivent à l'infini ou pas. Bah, moi j'avais vu 10 au tout début, quand on a commencé. Bon, enfin je sais plus. Ah putain. Un cauchemar vient d'apparaître. Ah ouais, c'était... Ah ouais, cette chose. Ah puis y en a encore 3 qui sont apparus dans notre dos, là. Il est où le cauchemar? Il est apparu là, du côté de Damned. Devant moi. Inflige 8 dégâts à la santé, applique lien de terreur à la cible à un autre compagnon. Cette unité subit 3 terreurs à la fin de son round. Attends, d'accord. Mais je le vois pas. Allure terrifiante. Ah là, je le vois par contre, moi. Il est là. Il fait flipper, il prend 4 cases. Mais je le vois pas. Bah écoute, on va voir, je vais me déplacer, peut-être que tu vas le voir. Vive, ouais, ça mais 76 PV, ouais, ça. 76 ça commence à être violent, ouais. Il me semblait bien que c'était un peu chocho. Il ouais, y en a 3. Il y en a 3 d'autres dans notre dos et en plus c'est des gros. Et pareil, je les vois pas les 3 autres. Hein. Bah, ah ils si, sont c'est juste à côté de Gaelden donc c'est quand même de con que tu les vois pas. Ah je si, d'accord. J'ai un ciblage pour faire une attaque d'opportunité sur lui. Et je vous laisse jouer. Bah écoute, je vais finir celui qui est au contact de Chobiti et aller essayer d'aller tanker un peu en haut. Ouais. Mais... Oh putain, Gaelden il va s'en choper deux. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a 3 dans notre dos, j'avais pas vu. Ouais. Ouais, ils sont pour Gaelden. C'est pour ça, je vais essayer de voir. Je peux. Ah, je peux pas aller assez loin. Je peux pas aller assez loin pour les tanker, mais je peux quand même me foutre un peu sur le chemin. Oui, mais. Ouais. À la limite, je...
C'est dommage parce que je pouvais faire ma lacération qui fait des dégâts de zone, mais c'est trop loin. Donc, Tendu ce combat, dis donc. Bah, en fait, ouais, ce qui me fait peur, c'est que s'ils continuent d'arriver tant que non, on les a pas tous. Il me semble que fait... ça se termine. De mémoire, ça se termine. Ouais, j'espère. Putain, là par contre, elle va bouffer, Chobiti. Plus d'armure, c'est dans le. Elle a 2 de terreur. Bah, Gelden peut. Faire le ménage, mais c'est peut-être pas le plus important là. Ouais. Bah, là, ce que j'aurais bien envie quand même de tenter une petite riposte. Parce qu'on va se prendre des coups, je pense. Là, il y a le loup fantôme en haut qui va jouer. Après, le sanglier qui est au contact de le cygne. Le sanglier qui est au contact de Malvinette. Le loup qui est au contact de le cygne. Ça pourrait éventuellement être rentable de riposter. Tel que je suis positionné, j'arrive pas à taper deux unités en même temps. Avec Malvinette. Ouais. Ouais. Ah ouais, sérieux? Ah merde. Ouais. Ouais, il est un petit peu avancé, là le loup il est un peu trop avancé. Ouais ouais, ouais je vois bien. Qui est-ce qui joue ensuite? Ah putain, c'est encore le loup, c'est encore Malvinette qui va prendre. C'est Chobiti qui va prendre, ouais. Alors attends, est-ce que... Est-ce que tu peux éventuellement aller dans leur dos ou même bah ouais descendre celui-là, si ça sera l'idéal. Je sais pas si je peux choper les deux là. C'est possible que si. Ça me paraît tendu quand même. Hein. Peut-être une case en arrière, ouais, peut-être plutôt là, je pense. Ici. Non, moi je pense. Là, je pense pas. Je vais faire des tests. Non, là, ça passe pas. Alors, tac. Si, là, c'est bon. T'as raison. Et ben... Vas-y, claque du poing. Hein. 26 PV, ça peut le faire. Hein. Il y a de quoi faire. Ça, hop. Et une fureur. Une fureur. C'est pas mal. Là, celui qui va jouer là. Ah, mais ouais, non, c'est mieux. Je peux pas. Non, je peux pas. Tu peux plus Attends, bouger. Si je peux me déplacer. Tu peux te déplacer encore un peu, ouais, et le finir. Tac. Comme ça, il jouera pas. Eh ben, on prend, hein. Ouais, c'est clair. Prépare-toi à aller dans leur dos. En plus, je vais pouvoir probablement buter celui qui est quasiment mort, ouais, avec Chobiti pour enlever mes stacks. C'est pas mal. Je te laisse ensuite le sanglier, j'essaie d'aller soutenir là-bas. Ouais. Peut-être plus tôt. Ouais. Ouais, ça devrait être jouable, je devrais pouvoir le... Je vais t'envoyer une flèche avec Malice, hein. Je vais venir soutenir... Un peu de soutien, ouais. À mon avis, il vaut mieux soutenir en haut, hein. Enfin, sur le gros groupe, hein. Mais Chobiti, il va pouvoir gérer... Bon, je sais pas. Alors lui, il va me taper à 9-11, donc je vais caler une protection. Pour diminuer de 70% les prochains dégâts. Ouais, c'est pas mal. Et puis, puis je vais taper, hein. C'est qui joue ensuite? Hop. Oh putain, la vache, le saignement qui fait 6 de dégâts là. Ouf. Sérieux? Bah, Malvinette, je sais pas si elle a moyen de. T'as peut-être moyen de le tuer avec ton enchaînement. Hein. Ouais, toucher les deux, non. Mais par contre, tu peux peut-être tuer ton adversaire. Hein. Alors sinon, est-ce qu'il a de la garde? Non. Non, ils ont pas de garde. Ils ont pas de garde. Chiant de... Ah, ça va piquer les fesses, quoi. Ouais, je fais pas grand-chose. Hein. En plus, il a la protection, donc... Ah oui, il est soutenu, en plus. Ouais. Non, je claque du poing. Déstabilisé, mais ça change pas. Ah si, je peux lui faire une fureur derrière, mais... Tu le tues pas? Non, ouais, donc laisse tomber, parce que si tu le tues, sinon ça va ouvrir le chemin du cauchemar, je pense que ça vaut pas le coup. C'est chiant, mais... Alors lui, si elle me remet du saignement, ça va... Bah, c'est Malice. J'hésite quand même à aller tuer... Alors, ça m'embête un peu, mais j'hésite quand même à aller tuer le loup fantôme qui est sur Chobiti pour gagner un point. Bah ouais, mal, hein, quand même. Le problème c'est que si tu le tues, je pourrais pas enlever mes stacks de terreur. Bah tue le loup fantôme qui est sur le cygne plutôt. Ouais, peut-être plutôt celui-là, ouais. Ouais, mais faut. Tu peux te mettre derrière moi? Tu peux te mettre collé à moi? Ouais, c'est vrai, tu me l'as dit, ouais. Si ça passe. Alors, je peux pas sans claquer un autre point.
Ce qui est un peu con du coup. Ah, zut. Je peux me caler derrière Malvinette. Non mais dans ce cas-là, si, bah va tuer le loup fantôme qui est au contact avec moi, parce que de toute façon le sanglier il va pas faire 20 attaques, il faut quand même qu'il me fasse 4 attaques pour que je m'enfuie. Donc voilà, comme ça on gagne un petit point, ça nous permet, ça nous met plus de possibilités quand même. Rapproche-toi à fond de l'autre côté si tu peux, non. Je pouvais plus. Ouf. Oh le fumier, l'angle qu'il a pris. Ah quoi. Ouais putain, abusé. Oh mais il peut pas t'attaquer, l'avantage c'est déjà ça. Par contre Cauchemar il va faire son truc là. Ça fait quoi ça? Liane de terreur. 8 de dégâts et une stack de terreur je crois. C'est sur qui? C'est de l'ami. C'est un. Tu verras 3 terreurs à la fin de ton tour. Tu retires quand tu deviens adjacent à un allié affecté par cet effet. Ah ouais, c'est 3 terreurs à la fin de ton tour, donc ça veut dire qu'il faut que tu butes le loup fantôme, sinon tu t'enfuis. Et Malice l'a gagné aussi, mais elle a moins de chances de prendre de la terreur, ça va. Ouais, je peux le tuer, hein. Alors qui est-ce qui joue en premier? Bah c'est qu'on devienne adjacent en fait tous qui, les deux. C'est lui qui joue. C'est le mien justement. Donc je pense que vas-y, cogne. Alors je vais le cogner. Attends, je suis à 4 de terreur sur le signe, vache quoi. Tac, et je termine avec ça. Ok. Crah, la violence. Qu'est-ce que je fais ensuite? Alors je peux terminer le loup fantôme qui est devant Damned. Sauf c'est peut-être pas le bon plan. De toute façon le loup fantôme ne peut plus venir m'attaquer avec la position du sanglier. Ouais mais ouais. Il va venir te chercher, il va venir chercher Malvinette à quasiment tous les coups. Sauf que... De toute façon... C'est qui... On sait qui c'est qui joue en premier? Non on sait pas. Bah c'est le loup fantôme. Justement. Si bah à la limite non, du coup faut pas le tuer parce qu'il va bloquer le chemin du cauchemar, ce qui est peut-être... Ouais, mais ah mais de toute façon il attaque à distance le cauchemar ouais, non. Il va m'attaquer. La question c'est attends si je vais me caler à toi. Je sais pas si c'est une bonne idée mais écoute on verra. Hop. Terreur 3. Ah merde. Bah oui du coup t'as tes 3 de terreur de. Ah mais ça reste en plus le lien de terreur. Il faut c'est ce que je voulais dire, il faut qu'en fait Malice qui a aussi un lien de terreur vienne se coller à lui pour que ça s'annule. Ah, il faut qu'il se colle, il faut qu'il soit adjacent. Je le ferai hein, s'il faut, je claquerai un point pour courir jusqu'à lui. Il faut que je le tue sur un coup critique, le loup fantôme, sinon je m'enfuis. Ah ouais? Et ouais. Enfin, la prochaine attaque, je m'enfuis donc. Ouf. Ah voilà? Oh, c'est propre. C'est exactement ce que tu voulais faire. Du coup, est-ce que je prends pas un point pour forcer le sanglier à Magro pour qu'il tape pas Malvinette parce que t'es un peu dans le mal quand même, hein? Bah Malvinette surtout elle va... Donc il faut au prochain tour Malice, que Malice tu la rapproches de Malvinette et que Malvinette se rapproche de toi. Ouais mais Malvinette elle va se faire aggro par le loup fantôme, oh, c'est sûr. Si je déclenche une course en me bouffant sauf un si point, j'y je vais. Peux courir un peu plus loin. Donc peut-être que je peux en un tour venir à toi, peut-être. Je peux essayer d'aller tanker comme un gros connard, mais à mon avis tu vas te faire aggro par le sanglier de toute façon. Ouais, de toute façon toi ou moi bah, t'as plus de PV. Bon bah je me sacrifie pour ah la non, cause. C'était pas. Et c'est lui qui va jouer, hein. Il va te choper, hein. Le loup fantôme. Ah. Ouais, c'est lui le prochain qui joue, donc il t'aurait aggro de toute façon. Ouais. Putain par contre. 6 de t'aurais... dégâts avec le saignement quoi. Oh là t'aurais là, pu te caler. T'aurais pu te caler là. Ça ici. Alors. Ouais. Bah après faut aller chercher le cauchemar, il attaque à distance. Hein. Ah le cauchemar laisse tomber quoi. Putain. Mais par contre, il va falloir qu'on soigne le signe parce qu'avec le saignement là, 6 points de vie par tour, il va crever. Moi je peux, mais il y a un peu de monde entre nous quoi. Ouais. Ouais, là il chope. Ouais, je pense que tu vas y passer hein, de toute façon. Mm. Bon. Qui c'est qui joue après? C'est le sanglier qui est à ton contact. C'est le sanglier qui est à ton contact qui va jouer de toute façon. Il est obligé de t'attaquer. Est-ce qu'il peut passer pour m'attaquer moi? Non, il peut pas aller m'attaquer donc. Par contre, il peut rusher Malice donc. Ouais, faudrait que tu recules. Que tu, déplace, lui, tu lui mettes une attaque et puis que tu lui remettes une lance là. Pour être. Ouais, en se mettant c'est... genre là pour être sûr qu'il soit dans le chemin quoi. Je vais le mettre là. Histoire de lui faire au moins 2 attaques. Ce sera ça de prix. Puis ça, ouais. De toute façon, tu peux pas aller me mettre de points donc. Non. Voilà, il va te mettre une tatane mais bon. Ah non, ça bloque son mouvement, il peut pas te mettre ça bloque de tatane. Ça bloque son mouvement, ouais. Ah, ça c'est raison bon, de plus d'être à distance, ouais.
Oui, c'est nice. Et là, du coup, lui, il y a moins qu'il vienne me finir. Donc je pense pas qu'on puisse faire grand-chose. Il va m'attaquer moi. Il va t'attaquer toi, possiblement, mais ça dépend de l'intelligence de l'IA. Il va m'aggro, donc ça veut dire que je pourrais plus bouger derrière. Ouais, donc il faudrait que Malice se rapproche au max de Malvinette. Sachant qu'il va nous refaire un lien de terreur, l'autre con. Je vais essayer de courir jusqu'à toi, je sais pas si je vais y arriver. Hein. Run like hell. Ah, je peux pas. Ouais, bah utilise pas de points alors. Balance une flèche sur quelque chose. Ça se joue à une demi-case. Hein. Et on va avoir besoin de nos points pour autre chose, donc cale une flèche sur quelqu'un si tu peux. Sur le sang du fantôme peut-être. L'anglier, je peux, ouais. Ouais, bah go. Hein. Ouais, parce que l'autre, j'ai plus de chance de toucher toi, donc. Faut buter du monde là. Hein. Ouais, ça a pas suffi malheureusement. Je vérifie, mais je pourrais rien faire de plus. Hein. Non. Du coup, ça veut dire qu'il faudra absolument que Malice rejoue avant Malvinette. Ouais. Bah là, écoute, je vais aggro. Hein. Ouais. Faut, hein. Ouais, faut prendre. Chier, ouais. Mais alors après, je peux utiliser 2 points pour faire plein de dégâts, mais les dégâts de zone, ça fait chier. 2 fois 6 dégâts, ça ferait 12. Non, ça vaut pas le coup. 2 points pour ça vaut pas le coup. Aïe. On est en pleine forme. Et ensuite, c'est le cauchemar. Alors, moi, en plus, je peux rien faire à ce tour. Non, faut que tu tapes sur le sanglier fantôme toute seule, Chobiti, et pourra pas le gérer. C'est pas possible. Ouais, je suis d'accord. Tu dis ? Il faut que tu tapes sur le sanglier qui est au contact de Chobiti, parce que c'est pas possible. Il a pris de l'avance, du coup, au niveau des dégâts. Et... Je fais pas assez de dégâts pour le gérer. Tu veux, je peux te taper dessus aussi. J'aimerais autant pas. je lui fais un petit courroux sur sa tête et il est mort. Ça le tue ? Oui. Ouais. Ouais, go. Hein. Mais. Non, si, c'est rentable. Ah non, il est pas mort. Là, c'est bizarre, c'était marqué 10 de dégâts donc. Il avait marqué 15. Ah. Bon, c'est pas grave. Hein. Au moins, ouais, ça marque 15 coup, aussi. On le tue. Hein. S'il lui reste moins de la moitié, ouais, inflige 15. Ah ouais, il lui restait peut-être juste ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui ? Ouh. Oh, volonté! Grâce à la volonté, t'es pas tombé, ouais. Alors, le prochain qui joue, c'est le gros qui est à ton contact. Mais on sait que Malvinette, faut pas qu'elle joue en premier, sinon elle va se faire défoncer. Tu peux venir à ton contact avec Malice si tu veux. Ouais, mais... En claquant un point, hein. Ouais. Je peux pas à cause de lui, du coup. Oh, j'ai mis en travers. Je peux pas. Je suis obligé de claquer un point pour. Faut que je passe. Comme ça. Bah de toute façon, ça. Du coup limite, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est que ça soit Malvinette qui joue, tu mets un gros coup sur le sanglier, après tu finis ton tour, tu vas t'enfuir, mais de toute façon entre t'enfuir et tomber, autant DPS quoi. Ouais, okay. Bon bah vas-y, allez-y alors. Et puis Non, je vais pas dépenser de points. Non, on dépense pas de points, je pense que ça vaut pas le coup. Ah, tu t'enfuis pas du coup. Bah peut-être c'est son prochain tour de jeu. Ouais, c'est peut-être Ah bah c'est bon à savoir du coup, ça veut dire que t'as une dernière chance de tuer l'ennemi quoi. Du coup, bah écoute, on va peut-être essayer de diminuer les dégâts hein, quand même. Je vais buter celui-là. Ouais, tu vas mourir. Ah, moi il m'a bien été. Voilà. Quand une unité s'enfuit à cause de la terre, elle disparaît du combat, mais ne quitte pas le groupe. Mon dieu. Ah mais oui, putain, je suis con, t'as raison, avec le saignement je vais crever. Et oui. L'erreur. De toute façon, ça serait arrivé tôt ou tard. Oui, bah de toute façon, là, le sanglier serait venu me chercher et j'aurais crevé. Sauf si j'arrive à le tuer. Ah, bah non, tu vas mourir. Non, pas celui qui est à ton contact, mais celui que Malvinette a libéré. Il joue juste après et il pourrait atteindre Malice, mais je pense qu'il va venir chercher le signe de toute façon. Oui, mais il y a un joueur qui joue avant. Si j'arrive à tuer le sanglier, venir à toi et claquer un point pour faire un premier soin. Non, parce que je vais perdre mes PV en perdant mon tour là. Voilà, je vais terminer mon tour et je suis à terre. Oh là là. Et à terre, on peut plus. C'est fini ? Ah, mais si, mais de toute façon, il faudra utiliser le premier soin. Ouais, tu peux dépenser un point pour me soigner. C'est ce qui. Et même, c'est pas. C'est tu dois. Oui, c'est tu dois, ouais. Carrément. Et ça. Ok. Et bah, bon, du coup. Il me dit que ça le laisse à 1 PV. J'espère que non, putain. Je suis à 4. Allez ! Oh putain, yes. Je suis à 4 PV, ouais, mais je pourrais pas alors faire. Alors fais gaffe, t'as un lien de terreur, Damned. Ouais. Ouais. Ah putain, que tu dois te bloquer le chemin du coup. Tu peux pas aller voir Malice. Ah si, tu peux aller voir Malice, tu peux carrément passer là.
va te coller à Malice. Bah j'ai plus de mouvement en tout cas. Hein? Mais elle, elle en aura un. Ah mais t'as passé attends, le tour. Pardon. C'est bon. Non, j'ai pas passé le tour. J'ai peur. Ouais, c'est bon, en ça l'a annulé. On gagne un petit crois. Point, c'est cadeau. Bon, Malice va se prendre une petite tatane par contre. Ouais. Ah, 4 de terreur du coup. Bah, Chobiti, faut qu'elle finisse celui-là avant qu'il agisse parce que sinon, c'est la mort. Bon, je sens que. C'est tendu. Il va falloir donner. Hein. Après, si on se met tous autour de lui et qu'on le tabasse, le cauchemar, bah, ça va aller vite. Mais... Ah, glorieux, il est bon le glorieux là. Ouais. Alors, par contre, il va faire 8 de dégâts lui. Après. Alors Malice, bah, ça serait bien que si t'arrivais à buter le sanglier fantôme Gaelden avant que Malice joue, j'y crois pas, mais 21 PV ça me paraît beaucoup quand même. Alors cela dit, tu peux claquer du poing. Hein. Oui, bah il faut. Hein. Bim. Au pire, elle l'achève à coup de poing, mais c'est pas. Bah je peux claquer 2 points. Ouais, vas-y. Hein. Tu peux l'assommer, mais il faut les chaînes d'Alazar pour assommer les fantômes. Mais on peut les capturer du coup. Intéressant. Bim. Eh bah, au moins. Voilà, au moins t'auras la fureur pour mettre une grosse fessée au cauchemar. Si on peut dire. Bon bah, Malice va pour mettre sa flèche, hein. Peut-être reculer un peu. Ouais, recule un peu. Ouais, bah, mets ta flèche et après recule. Mets ta flèche et après recule. Bah, de toute façon, je pense que lui il engage pas, il attaque à distance de toute façon. Mais... C'est ça, ouais. Bon, et eh ben hop. Oh non, merde! Ah merde, oui! Bon bah, au revoir, Malice! Sur qui le... fait ça? Ouais. Wouah, ça va. Ouais, Gaelden, bah, de toute façon, maintenant on est tous collés, donc normalement. Bon bah, je l'engage, hein. Ok, oh GG. Et après, au pire, je pourrais spammer Il aurait fallu que je me colle à toi avant. Pour le lien de terreur. Ah oui, bah de toute façon là on joue tous, hein. On joue tous donc. Oui, mais c'est parce que. Ça l'annulait dès que t'es collé. En fait, si t'es collé à toi d'abord, c'est ça. Ça l'aurait annulé tandis que là tu vas prendre 3 terreurs sur Shobiti. C'est ça. Ah oui. Cadeau. Bon, de toute façon elle se serait trouvée à un PV au prochain tour, donc à la limite c'est peut-être pas plus mal. Mm. Il faut que tu termines ton tour. Ouais. Un petit glorieux. Ah, glorieux. Un petit glorieux, ça fait toujours plaisir. Alors, donc je me colle. Hop. Je donne un bon coup de masse. Puis je pense que tu peux claquer ton point. T'es le seul à avoir une deuxième attaque qui. Immédiate, ouais. Ah putain, mais quand on l'attaque, on chope de la terreur. Ouais. Oh, mais non, quoi. Ouais, elle applique un terreur à l'attaquant, ouais. Est-ce que je garde pour le courroux? Non, mets ton gros coup. Enfin, ou mets un courroux. Ouais. Non, le courroux, il faut que j'attende qu'il soit mid-life. Non, on va en regagner des points là. Damned, il va venir derrière nous se coller. Il va nous générer des points au fur et à mesure. Non, faut le DPS un max quoi. Oh, mais non, à chaque fois je chope terreur. Bah, par contre. Ouais. Là, on est supporté déjà. Allez, le coup de lance. Limite, claque un point pour mettre un premier soin éventuellement. Ah pardon. Trop tard. Je pensais le garder pour autre chose. Du coup, je vais aller dans son dos et puis on va le taper. Hein. J'avais pas pensé à ça. On va le cerner comme ça. Voilà. Puis ouais, je me suis dit que Chobiti allait fuir en plus. J'ai pas pensé. Bah pour à l'instant, ça. Ah, non, il lui faut on encore va y arriver. Coup, hein. On va y arriver. Ah oui, on va y arriver, c'est sûr. Oh, on lui a mis le saignement. Ça c'est bon ça. Il peut pas battre Gaelden, hein, qui est encore full life, full armure. Moi, je suis quasiment full life. Faut pas pousser qu'est-ce quand même. Hein. 8 de dégâts, le lien de terreur. Putain, le lien de terreur dans les deux sens, dans les deux mauvais sens là. Mais... Attends, bah dans ce cas là, je vais jouer en premier. Je vais mettre. Non, mais je termine. Mais je peux claquer un soin moi, non? Non, laisse le point de bravoure à Gaelden. Vas-y. Pour les DPS. Ouais. Allez, boum! Tiens, mange, saloperie. Prends-toi ça dans ta gueule. Il y a pas un deuxième cauchemar qui arrive, non? On a eu le niveau 2 de la voix puissance et pouvoir. Maximum de points de bravoure augmenté de 1. Ah ouais, oh, t'as de la belle récompense hein, par contre. Hein. Bah putain, encore heureux. Globe oculaire rouge. Oh la violence quoi. Ouais, et du coup, oh les blessures qu'on mange. C'est ça. Je répare vos armures, hein. Hop. Et c'est quoi les blessures alors, Malvinette? Ouais, rupture des ligaments pour Malice. Déchirure. Dégâts subis doublés sur Malvinette. Chobiti, il peut plus faire de coups critiques quoi.
Constitution réduite de moitié pour le signe, c'est pas terrible. Ah ouais, non, mais le temps qu'il prend la constitution réduite de moitié et le DPS, il prend les coups critiques à valider, quoi. Ça fait tellement plaisir. Alors, du coup, c'est quoi qu'on a chopé Ah, le succès, Who You Gonna Call? Ghostbuster! Ah là, la violence. Defeat the Ghost Pack, ben voilà, c'est fait. On a gagné 10 cuirs blancs. Donc on pourra sûrement faire des objets spéciaux avec quand on aura ce qu'il faut. Ouais. Et il faut qu'on se repose. Déconne. Ouais, faut qu'on campe. On peut peut-être aller faire la quête vite fait avant de camper, quoi. Mais de toute façon, on le fera lors du prochain épisode parce que c'est trop long, hein. Ouais. Mais ouais, ça pique. Attends, il y a des trucs. Il y a du loot juste devant toi, Lou. Attends, je regarde juste du coup, on a gagné, alors c'est pas là, non, c'est dans les voies, on a réussi les voies, niveau 2 puissance et pouvoir. Donc on a gagné plus de points de bravoure, c'est tout, ok. Bon, ah oui, d'accord. Rien de fifou. Y a de la consoude juste à côté de moi, mais je suis pas sûr que ce soit utile. Ah, il y a des champignons. Ouais, on va prendre les champignons. Hop, et on arrête l'épisode là, du coup. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dire ce que vous en avez pensé. Et on vous dit à très vite pour la suite. On a eu mal. Super, ça m'a rendu. Ciao, ciao tout le monde. A plus. Bisous, bye.